Je dirais pas. Ouais, je pense que ça commence à faire beaucoup. On commence à un peu être dans la zone rouge. Maintenant, je pense que tous ensemble, toute l'équipe, on est capable de montrer un autre visage pour pouvoir aller chercher mieux. Parce qu'il y a la qualité, je pense. Mais voilà, je pense qu'on doit vraiment corriger certaines choses pour pouvoir espérer plus. Qu'est-ce que vous avez dit juste après le match, juste après le coup de finale, qu'est-ce que vous avez dit entre les joueurs? Bah, entre les joueurs, déjà qu'on devait montrer un autre visage, parce que le visage qu'on a montré, c'était pas vraiment celui qu'on espérait. Et c'est, je pense pas que c'est le visage que les supporters ont envie de voir. Mais voilà aussi, maintenant, on doit faire le dos rond, accepter et travailler deux fois plus pour aller chercher encore mieux. C'est une soirée très difficile à tout point de vue, la prestation, le résultat, aussi l'affront des supporters qui est difficile à vivre pour un joueur. Ouais, je pense que c'est un peu difficile parce qu'avant tout, on reste des êtres humains comme les autres, même si on est sur le terrain. C'est dur, mais on a besoin du soutien des supporters, on a besoin de tout le monde pour pouvoir remonter la pente, car c'est eux le 12e homme. Et je pense que leur soutien, c'est vraiment ce qui peut nous tirer encore un peu plus vers le haut. Et franchement, je demande tout le soutien des supporters pour qu'on puisse aller chercher de meilleurs résultats. On demande un peu ce qui s'est passé entre voilà, Paris, où vous faites un très bon match, et puis derrière Lorient, et ce soir, on a reperdu le fil. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais pas qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a un élément déclencheur qui a donné ces résultats-là, mais voilà, je pense qu'il y a eu une petite baisse. On doit vraiment, c'est à nous de faire plus pour donner le meilleur de nous. Un contre-coup physique peut-être, tout simplement, quelque chose comme... Je dirais pas, franchement, je saurais pas vous dire. À titre personnel, tu as intégré le groupe professionnel, tu grades des petites entrées match après match. Ça reste une satisfaction, même si les résultats sont compliqués? Ouais, ça reste une satisfaction, oui. Mais bon, après, quand on est compétiteur, même si on fait des entrées, ça reste une bonne chose. Mais on veut les résultats qui vont avec. Et je pense que ouais, c'est quand même une bonne chose malgré les résultats. Ouais, ça revient derrière, c'est inquiétant? Inquiétant. Franchement, il n'y a pas de quoi être inquiet parce qu'on a la qualité. Et je pense qu'on traverse juste une mauvaise passe et qu'on va la remonter normalement sans vraiment être inquiet.